James Heller, c'est ça? Je suis Sabrina Galloway. Je sais que vous pouvez me tuer, mais écoutez-moi. Je peux vous aider. Vous êtes différent des autres, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Eh bien, moi aussi. J'aurais tout entendu. Laissez-moi finir. Les autres évolués sont tous dévoués à Mercer. Mais pas vous. Et moi non plus. Bah voyons. Je vous le prouverai. Je peux les traquer. C'est un don. C'te blague. Je viens de vous prendre par surprise. Effectivement, je ne peux pas vous traquer. Il n'y a qu'un seul autre évolué qui m'échappe aussi. Et il s'appelle Roland. J'en ai rien à battre. Vous voulez laisser l'un de nous, un évolué totalement indétectable, vous espionner, et le laisser ensuite informer Mercer? Je vais tous vous buter, peu importe qui doit partir en premier. Allons, vous êtes plus malin que ça. J'ai réduit le champ de recherche à 3 cibles, et je suis prête à vous les donner. Vous tuez Roland, on passe au suivant, et je reste en vie. Qu'en dites-vous? Mais dans quel camp vous êtes? Le mien. Un de vos potes a déjà essayé de m'avoir. Maintenant, il reste plus rien de lui, même pas une tache de gras par terre. J'hésiterai pas à vous faire subir le même sort. Je comprends. On va faire une super équipe. C'est que Roland s'est mêlé à un groupe de VIP de Gentech. Une unité du Black Watch est chargée de les récupérer. Infiltrez cette équipe et vous pourrez le tuer facilement. Mon père, j'ai trouvé Galloway. Et ? Elle dit que si je la laisse en vie, elle m'aidera à trouver les évolués qui bossent pour Mercer. Elle m'en a déjà donné un. Roland. Excellent. Quel est le problème? Elle est complètement cinglée. Je lui fais pas confiance. Quelle importance! Ce Roland pourrait vous en apprendre plus sur le plan de Mercer. Ok. Je vais lui rendre une petite visite. Rattler 4-3, ici Rattler 4, leader. Où en est l'unité d'extraction? À vous. Ici Rattler 4-3, on est en position, on attend votre arrivée, lieutenant. C'est le groupe chargé d'aider Roland. J'ai plus qu'à taper l'incruste. Notre mission est de secourir les VIP de Gentech. En avant! Ouais, on va sauver des crânes d'œufs. Super. La ferme, Starn. Paraît que certains de ces VIP sont haut placés chez Gentech. Ça m'étonne pas. Putain de col blanc. Ouais, ces types se font un max de blé. Je suis sûr qu'ils seraient prêts à nous verser une prime pour leur sécurité. Arrêtez tout de suite de délirer, Starnes. Thank you.
le point de passage suivant. Prêt à ouvrir le feu. Quand je vois tous ces civils, vous savez ce que je me dis? Qui crève? Pourquoi on se fait chier à les aider? Eh, hey, nous aussi on pourra avoir besoin d'aide un jour. On sait jamais. T'es débile ou quoi? L'impression que vous me cachez des trucs sur ce type. C'est le bras droit de Mercer. C'est une raison suffisante pour le tuer, non? Prenez ce lance-roquette. J'ai assez vu ta sale gueule. Franchement, ça peut l'infecter, reste potable si on leur met un sac sur la tête. Je biche pas comment t'as pu passer l'évaluation psychologique, Starnes. Sound, ici Rattler 4-3. Les VIP sont en sécurité, parés pour évacuation. Bien reçu, 4-3. Le transport est en route. Terminé.
Galloway. Ils sont cinq, c'est con. C'est lequel, Roland? Aucune idée. Tuez-les tous, c'est plus sûr. Il est mort? Cet enfoiré m'a échappé. Ah, eh ben bravo. Bon, je vais essayer de le retrouver. Vous êtes bien sûr de vous pour quelqu'un qui passe son temps à se planquer. Je veux juste vous laisser le temps de la réflexion.